on se retrouve pour une vidéo de présentation donc d'un reptile que j'attendais depuis 2 semaines environ. J'ai passé la commande il y a 2 semaines, mais comme j'étais en déplacement la semaine dernière, j'ai demandé à décaler l'expédition sur cette semaine. J'ai pris ma matinée exprès pour le réceptionner. Et donc on va faire la présentation donc, du colis, le déballage, la mise en place ensemble. Donc le colis. Donc, je viens de le recevoir par transporteur. France Express donc. France Express. Donc il a été commandé chez Reptilis. Donc le cutter. Hop. Attendez, je vais juste décaler un petit peu la caméra. Voilà. Donc le carton est en bon état. Il a été scotché tout autour. Donc après, en ce qui concerne la date d'expédition, donc il a été expédié le 30, reçu le 31. Donc aujourd'hui, il n'y a eu aucun problème, malgré les transports, les grèves en région parisienne. Ouf. Et d'accord, il manque un bout. Bah. Allez, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai pas coupé au bon endroit. Je me fais régulièrement avoir sur ce genre de truc. Surtout sur les boîtes. En polystyrène. Donc, il y avait du rouge sur le carton, ça y est, j'en ai plein la main. De toute façon, il faudra que j'aille me laver les mains. Donc, Reptilis. Hop. Alors, un petit peu de pub. Avec le ticket de carte bleue, le prix du reptile et le forfait. Logiquement, il y a la facture. Tiens, je pensais qu'il y avait le fit avec. Et donc, voilà le PP. Donc, il s'agit tout simplement d'un Pantherophis guttatus. Donc je vais aller me laver les mains. Je vais aller me laver les mains. Et on se retrouve tout de suite pour la mise en place du terrarium. Donc me revoilà. Alors tout d'abord, maintenant qu'il est arrivé, je vais mettre de l'eau dans le bol qui a été lavé évidemment avant son arrivée. Maintenant, on va tout simplement le placer dans le terrarium. Donc température jour, 28 au point chaud, 20, là je suis à 22 au point froid. Température nuit, j'ai 25, 22, un truc comme ça à peu près.
Donc, hop là, voilà le pépère. Hop. Donc, il fait environ 25-30 cm. Il est de juillet 2015. Voilà. Le petit pépère. Donc là, il va se cacher. À mon avis, je ne le reverrai pas pendant un petit peu de temps. Donc là, c'est pas de nourrissage pendant 10 jours. Le temps de voir que tout va bien. Après, je commencerai donc à nourrir avec, de la rosée. Et puis, bah voilà. Donc, prochaine vidéo bah, pour lui bah, dans 10 jours au moment du nourrissage. Allez, salut tout le monde!